Mon nom est Micheline Lefebvre. Je suis l'arrière-petite-fille d'Alexina Godon-Croteau. Madame Croteau, c'est la première femme au Québec à être décorée de l'Ordre du Mérite agricole par le ministre de la colonisation de l'époque, Joseph-Édouard Perrault. C'était en 1927. Alexina et son mari, Philippe Croteau, avaient 15 enfants, dont 5 couples de jumeaux. Ils vivaient à Saint-Prosper sur une terre très pauvre. La terre était trop pauvre pour nourrir convenablement toute la famille. Donc, le couple Croteau a projeté de venir s'établir en Abitibi. À cette époque-là, il y avait beaucoup de migration vers les usines des États-Unis. En venant s'établir en Abitibi, le couple Croteau espérait garder leurs enfants au pays, mais aussi leur donner un héritage et en faire de bons cultivateurs. Malheureusement, Philippe Croteau est décédé en 1913 après 2 longues années de maladie. Mais Mémère Croteau, comme on l'appelait à la maison, ne s'est pas laissée abattre par l'épreuve. Elle avait une croyance inébranlable dans la Providence. Elle a donc repris le projet de venir s'établir en Abitibi. C'est donc en 1914 qu'elle a envoyé ses 3 plus vieux venir défricher les 3 lots qu'elle avait achetés. Défricher un petit peu le terrain, commencer le défrichement, mais aussi bâtir un camp en bois rond pour pouvoir recevoir toute la famille. Alexina arrive en 1916 à Amos avec toute sa marmaille. Alexina Croteau travaillait aussi fort que ses garçons sur la terre. Elle défrichait, elle essouchait, elle bûchait, elle labourait. Enfin, elle touchait à peu près à tous les travaux qui étaient nécessaires pour préparer la terre. Mais en plus, elle dirigeait aussi, et la famille et l'entreprise familiale. À cette époque-là, quand une femme devenait veuve, bien souvent, la responsabilité de la famille incombait au garçon le plus vieux. Mais ça n'a pas été le cas pour Alexina Croteau, parce que Alexina avait un très fort caractère. Elle était très fière. C'était une femme autonome. C'était une femme indépendante. Elle tenait à garder les guides de la famille. Et quand les plus vieux, parfois, montraient des signes d'impatience parce qu'ils voulaient contrôler ou décider à sa place, elle ne se gênait pas pour les ramener à leur place. Mais une fois sa journée finie au champ, elle en avait une deuxième qui recommençait à la maison. Il fallait qu'elle s'occupe des tâches de la maison et s'occupait aussi des enfants. Alexina cuisait ses favots lard, son pain, en rentrant de sa journée de travail, là. Donc c'était du surplus. Elle tissait aussi son étoffe, elle filait sa laine. Elle était économe aussi, donc elle récupérait les poches de farine qui étaient faites en lin pour coudre des vêtements pour les enfants. Ses journées étaient très longues. Évidemment, ça commençait à l'aube et ça se terminait tard le soir à la chandelle. Heureusement, ce qui a aidé Alexina à passer au travers, c'est qu'elle n'avait pas besoin de longues nuits pour récupérer. Elle avait une santé de fer et une très forte constitution. C'était presque un phénomène de la nature. Elle disait d'ailleurs, c'est pas le travail qui fait mourir, c'est la paresse et la vie à la course. Ma mère Croteau était une femme aussi très organisée. Elle avait pas le choix si elle voulait que ça marche rondement aussi à la maison. Elle connaissait les forces de chacun de ses enfants et elle savait aussi les utiliser là où ils étaient probablement le plus efficaces. Donc, le matin, avant de partir au champ, elle distribuait les tâches à chacun des enfants. Et elle savait se faire écouter parce que c'était une femme autoritaire. Mais malgré qu'elle était autoritaire, elle faisait régner la discipline sans jamais lever le ton, sans se fâcher. En 1927, pour reprendre la propagande sur l'Abitibi, le ministre Perrault avait besoin de venir évaluer le succès des colons pour pouvoir les présenter au reste de la province. Il est donc venu avec l'abbé Jean Bergeron, qui était missionnaire agricole et économiste, pour venir évaluer les fermes. C'est là qu'il a connu la veuve Philippe Croteau. Sur son évaluation qu'il a rédigée de la ferme de Mme Croteau, on pouvait lire comme contenu 205 acres en belle culture et 100 acres en pâturage, une grange bien remplie, une étable modèle spacieuse, 35 bêtes à cornes, 12 chevaux,
un tracteur, deux automobiles, un garage et deux hangars, des instruments aératoires et une bonne et confortable maison éclairée à l'électricité et munie du téléphone. Sa ferme était évaluée à 42 313 $. Alexina Croteau était partie avec 50 $ de dette pour réussir à faire son voyage et 11 ans plus tard, son capital était évalué à 42 313 $. Le ministre Perrault était plein d'éloges à l'endroit de mon arrière-grand-mère. Il était très impressionné par ce qu'une veuve et ses enfants ont pu réaliser en seulement 11 années. C'est là qu'il l'a surnommée la Maria Chapdelaine de l'Abitibi. Dans un des discours qu'il a tenu devant l'Association des femmes chrétiennes à Montréal, je l'entends dire « En Abitibi, j'ai vu là une ferme modèle dirigée par une femme de grand mérite. Il faut que son exemple soit connu dans tous nos foyers, dans toutes nos écoles, et que personne chez nous n'ignore sa vie et sa tâche. Si une femme a pu accomplir pareil travail en si peu d'années avec l'aide de ses enfants, il n'y a pas un homme de cœur qui ne puisse en faire autant. » Et il la louait pour ses qualités de courage, de persévérance, de détermination, d'ambition, de hardiesse. Il disait aussi que c'était une femme simple, intelligente, vaillante et énergique, qui aimait profondément sa terre et ses enfants. C'est vrai que ma mère Croteau était une femme simple, mais elle était aussi très franche et très directe. Par exemple, lorsqu'elle a reçu le diplôme du mérite agricole des mains du ministre Perrault, elle lui aurait répondu « C'est bien beau un parchemin, mais ça donne pas de quoi vivre. J'aimerais bien ça pouvoir recevoir un petit cadeau du gouvernement provincial. » Malheureusement, j'ai pas la réaction du ministre. Ma mère Croteau aimait beaucoup jouer avec les enfants. Mais quand elle avait trop de travail pour leur donner un petit peu de temps, elle cachait plein de surprises dans la maison. Entre autres, sa vieille horloge servait souvent de cachette. Et elle lançait les enfants dans une chasse au trésor qui pouvait parfois durer jusqu'à 2 jours. Pendant ce temps-là, elle pouvait travailler tranquillement. Lorsqu'elle a pris sa retraite au début des années 30, elle avait la même bonne relation avec ses petits-enfants. Elle aimait beaucoup s'en occuper. Elle leur apportait plein de petits sacs de bonbons et les enfants venaient la voir. Elle était toute près de chez eux. Et assise sur des laisses de tapis, ma mère Croteau se berçait et elle leur racontait des histoires. Il paraît que c'était une très bonne conteuse. Ma mère Croteau était aussi une femme très gênée et très, très sensible. Mais elle n'aimait pas ça, se laisser aller à pleurer devant le monde. Il fallait qu'elle se montre tough, ou peut-être que si elle s'était laissée aller, qu'elle aurait pu être arrêtable, peut-être c'est ça aussi. Elle n'aimait pas les départs, ça la rendait triste. Donc, chaque fois qu'elle avait de la visite à la maison, plutôt que d'aller les reconduire à la porte, elle se retirait dans sa chambre pour ne pas les voir partir. C'était sa façon à elle de se protéger des départs qu'elle n'aimait pas. Alexina était vraiment une bonne vivante. Elle était toujours de bonne humeur, est-ce qu'on m'a dit. Et souvent, en travaillant, elle chantonnait les airs de la Bolduc. C'était une femme aussi qui était pleine d'humour. Elle prenait plaisir à faire rire son entourage. Mais son plus grand plaisir, c'était vraiment de regarder le train passer. Même si elle était au bout de son champ, lorsqu'elle entendait venir le train, quand elle le pouvait, elle se dépêchait à traverser son lot pour venir s'accoter sur le bord de la clôture et regarder le train passer. Probablement que ça lui représentait le début de sa grande aventure. Et aussi, c'était son seul lien avec les gens du Sud. Donc, elle regardait attentivement pour voir si elle ne reconnaîtrait pas des voyageurs pour pouvoir avoir des nouvelles des siens d'en bas. Mon arrière-grand-mère a été citée en exemple pour convaincre d'autres colons à venir s'établir en Abitibi. Avec un exemple aussi frappant que le sien, je suis certaine qu'elle a dû en convaincre plusieurs. Mais on ne le saura jamais de façon exacte. Chose certaine, Alexina a réalisé, elle, les objectifs de son projet. Elle a gardé ses enfants au pays, son fils a repris la ferme, puis son petit-fils, et elle leur a laissé un très bel héritage.
entre autres, sa grande passion pour les chevaux. L'œuvre d'Alexina Croteau a souvent été reconnue. Entre autres, dans mon livre d'histoire du Canada de troisième année, dans la partie qui s'intitulait « Colons courageux », une page lui était consacrée. Elle figure donc dans le même livre à côté de Samuel de Champlain, Jacques Cartier, Marguerite Bourgeois ou Jeanne Mance. Ça me faisait tout drôle d'apprendre ma leçon à l'école. Je peux vous dire que je la savais par cœur. Et en 1998, le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue a créé le prix Alexina Croteau. Ils vont le remettre pour une première fois en mai 99 à une femme qui se sera démarquée, tout comme mon arrière-grand-mère, par l'œuvre de ses vies. Mon arrière-grand-mère a habité mon imaginaire d'enfant comme un conte de fées. Elle représente pour moi un personnage légendaire. J'espère qu'un jour, on écrira son histoire. Et cette histoire pourrait commencer par « Il était une fois Alexina Godon-Croteau, née en 1870 ».